Hello les potos, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur Bleach Brave Souls. Donc voilà les potos, il y a la nouvelle sélection éveil qui est arrivée. C'est des personnages uniquement 6 étoiles, ça veut dire des personnages 5 étoiles éveillés directement. Ça veut dire pas besoin de 3 au Gyoku ou de monter toute une Soul Tree et de gaspiller plein de cristaux et tout ça. Donc voilà, ils nous ont mis la toute première loterie spécialement pour les personnages 6 étoiles. Donc voilà, comme vous le constatez, on peut déjà y gagner Itsugaya et Rukia avec Sozenpakuto et Kyoraku. Bien sûr, il y en a encore deux autres. Donc voilà, déjà, on va passer à leur stade directement. Donc Rukia, elle a 547 en 6 étoiles, bien sûr, et au niveau 150. Après, on a Itsugaya, 549, qui reste le personnage de glace le plus puissant dans Bleach pour le moment. Donc après, on a Captain Kyoraku avec 579 en attaque, énorme, un des plus forts du jeu. Puis on a Shinji du passé, Affinité Rouge, que j'ai déjà en 6 étoiles au max. Il a 520 en attaque, c'est bien, c'est bien. C'est pas énorme, mais c'est bien. Ça fait lui quand même, il fait partie quand même des personnages super puissants du jeu. Donc après, on a Jushiro Okitake, personnage super puissant et très 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 utile dans la Brave Battle. Quasi imbattable si on l'a monté au max avec des bons accessoires. Donc il a 528 en attaque, c'est un personnage que j'aimerais vraiment avoir. Et voilà. Donc c'était les 5 personnages qu'on pouvait gagner. Donc les gars, par rapport à l'invocation Muramasa, Kaze-Shinni et Koga, sachez que sur mon compte principal, celui avec lequel je vous fais une vidéo tout de suite, j'ai pas encore gaspillé d'orbes, si peut-être 50, entre 50 et 100. Donc pour moi, c'est pas du gaspillage. Par contre, sur mon compte Yasuo FR3, j'ai gaspillé plus de 1400 orbes, mais chaque fois en morceaux. Et sachez que sur les 1400 orbes, j'ai pas reçu un 5 étoiles. J'ai fait des vidéos pour ces invocations-là. Malheureusement, j'ai pas envie de les publier car je m'énerve, je perds le contrôle de moi-même pendant les vidéos. Car ça m'a vraiment énervé de ne pas recevoir un, or que mon petit frère en a reçu un en 75 orbes. J'ai vu des youtubeurs, des gens en avoir un dès le premier coup. J'ai fait des multis, j'ai fait des singles, j'ai fait de tout. Walou, le personnage, il n'y a pas moyen de l'avoir. Même pas un des trois, rien du tout, ils veulent rien me donner. Donc j'ai abandonné mon autre compte, Yasuo FR3. Et mon frère, justement, il a reçu Koga. Et c'est un gars, il a commencé Bleach il y a 2 semaines, quand il y avait les étapes à suivre. Donc pour lui, ça n'a pas trop d'importance et il m'a passé un compte. Dans ce compte-là, il a quand même des personnages super puissants, comme Koga qu'il a reçu dans l'invocation, bien sûr. Et il y a le Kenpachi Rouge, Baragan, Seiphon avec Sozenpakuto, Rengeku Matsumoto avec Sozenpakuto, Greenjo, qui d'autre? Il a qui d'autre? Greenjo. Il a Urahara, mon personnage principal que j'utilise le plus dans mon compte principal, pour moi, qui est un de mes meilleurs personnages sur Bleach Brave Souls. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que mon compte Yasuo FR3 avec Mugetsu, Baragan et tout le reste, vous pouvez l'oublier, vous faites comme si vous l'avez jamais vu, car j'ai une très grosse déception dessus. Donc voilà les potos, c'était la toute nouvelle invocation, sélection éveil, 6 étoiles, que des personnages 6 étoiles. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour plus de vidéos. Et désolé de n'avoir pas avoir sorti de vidéo pendant 2 voire 3 jours. Allez, ciao les potos.